Bienvenue à toutes et à tous sur Guyane La Première pour 6 minutes de news sur vos artistes reggae, raga, dancehall, hip-hop. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur leurs derniers clips, leurs dernières collaborations, les albums à venir, vraiment tout ce qu'il faut savoir. L'émission c'est Set Up et ça démarre maintenant. Et on commence avec la news de la semaine. Giant Eye King signe chez Sony ATV Music, les gens. Sony ATV Music. Donc, c'est pas Sony ATV, c'est pas Madinina hein, ATV. C'est une boîte anglaise qui existe depuis 1955. Donc, ça n'a rien à voir. Pour t'expliquer à quel point le truc est sérieux, sur le label en question, tu as Michael Jackson, Ed Sheeran, Kanye West. Il y a des gens sérieux et maintenant, il y a Giant Eye King, un gars de Macoria qui a signé chez eux. C'est la Guyane en grand respect. Dans la chaleur des raisons, on commence avec XXXTentacion. Alors bon, le bouquet d'aide, sortez les briquets, RIP. Il faut savoir que Kendrick Lamar qui fait, donc c'est... On continue avec Gifta qui était dernièrement en Martinique pour un showcase. Fire, fire, fire! Bon, on regarde la récap tout de suite. Red Killa aka Guada Yeyo nous tease son nouveau clip. Pour rappel, Guada Yeyo, c'est la connexion Guada-Miami. Et quand on parle de Miami, Gato d'Abato n'est jamais loin. Welcome to the sal! On regarde tout de suite. Yongchang MC nous offre pour son anniversaire un morceau exclusif depuis sa cellule. Depuis sa cellule, c'est le Vibes Cartel de Bainbridge. Il s'est dit, bon allez, j'ai encore 9 ans à purger, ils veulent nous sortir en son. Yes papa, c'est cadeau. Saïk pose sur le rythme Pani Position après Admiralty et son morceau Gucci Gang. Un morceau qui te rappelle que le raga n'est pas mort tellement le bête est lourd. One to them, tap to them. Mais tes potes là, papi, c'est yon pied de biche. Sont la salle, alors faille tout n'est nous faut des matacs à bots. Préparez la bouteille de champ pour l'entrée. Titoff a sorti son dernier album Midi Minuit qui se classe directement en 4e place du classement iTunes France. iTunes France. Le premier single utilise un sample du manga Naruto, donc appelez-le Hokage Titoff maintenant. Mais là on pourra pas s'aimer, j'ai autre chose à faire. J'suis dans mon bâtiment, j'ai pas grand chose à perdre. Bande de Mike signé chez Jutsu a fini de teaser son dernier album Michael Owen. Apparemment fusion entre Michael Owen, l'ancien joueur de Liverpool, et Jesse Owens, le sprinter. Même pas peur de Hitler. On retrouve sur cet album Chubby, Pompis, Lawrence et aussi son acolyte de toujours Lyrix. Au commencement, je suis petit comme un fœtus. Le corps m'a déjà lauré en étant cuisse. Dans le désert, je suis comme le cactus. À chaque bêtise, maman, elle froid les fractus. L'artiste à la voix d'or, G-Max, n'est pas qu'un lover. La preuve, il revient à ses premiers amours, le dancehall. Je sais pas si vous avez vu, l'artiste Shizu, auteur du génialissime Ruku, est à Miami et pas tout seul. Il y a Fanny G, Warren, Matoja, Starbass. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Dans la pure tradition du One Redeem où tout le monde pose là-dessus, DJ Brian nous offre B-Vibes Redeem avec 8 têtes d'affiches guyanaises. On est obligé d'être chauvin. On continue avec le dernier clip de Booba dans lequel il enfile la cape. C'est Gotham, tout en animation. Et vous allez voir, il y a des artistes connus dedans. Il y a Lafouine, il y a Rof, il y a Caris qui sont en guest star. Vous allez comprendre, c'est sanglant. Trois dents, Tony, Joshua, ferme la boca. L'argent de la meca, paye la boca. Le temps s'est arrêté la semaine dernière. Damso, l'artiste qui t'oblige à chaque fois à sortir ton dictionnaire pour comprendre le titre de ses albums, a sorti le dernier, Lithopédion. Ça tire la nuit, ça tire la palme, ça tire le jour. Tellement de guerre, mon peuple est mort à qui le tour.
Et on passe à la section clip vidéo, tout ce que vous n'avez pas encore vu, tout ce qu'il ne fallait absolument pas manquer. Et on commence fort avec l'artiste Valiente et son nouveau son Green Lemonade. Après Crack Music, il passe carrément derrière la caméra. Yeah. Fumer des hydrates, j'ai ma limonade. On scratch avec ces putes, tu dis mon âme. Célébrons avant que ça vire au drame. J't'ai quitté, t'es passé du rire aux larmes. Reggio, qui fait partie de la new génération de chanteurs aux Antilles autour des NSI, Young, Young Fizz et autres, nous propose son dernier opus, Honnête. Dis-moi que vous êtes des bites sales, des bites sales. No girl, ok, vous êtes trop peur. SMS, des photos sales, des photos sales. L'Ernest nous sort le Dr. Redeem, celui de Billy Man avec le nouveau morceau From Day One. Tune on les tunes, pussy, you'll be jet elite. Yo carrière, j'afflate, yo tout mo j'acquélite. Mandé M-Style, nous qu'en fait des bad things. En 2017, Yon se fait remarquer pour son accent particulier et sa tête en ching-tong-tong, comme on dit en Martinique. Et en 2018, il revient tranquillement. Après son tube où elle préparait du bacon pour French Montana, Steph London est de retour en Jamaïque et c'est Chata Bang Bang. Alors ça vient d'arriver, c'est tout frais. La découverte du moment Cara qui débarque tout en discrétion dans le milieu et elle ne joue pas drôle, vous allez voir. On finit notre sélection de clips avec MHD qui revient avec un opus réclamé par ses fans. Pour en savoir plus sur les artistes dont on vous a parlé aujourd'hui, Panda Mike, G-Max et Titoff, rendez-vous sur la page YouTube de Specta Seiso. Qu'on remercie d'ailleurs pour la petite info sur l'album Michael Owens. Big up. Aujourd'hui, on va parler des 3 albums qui sont sortis cette semaine du côté des Antilles. G-Max. Je pense vraiment que il n'y en a pas un, tu peux écouter et te dire, ça, c'est pas un bon son. Panda Mike, le son qui ressort pour moi, c'est Pourquoi, avec un très bon couplet de Sadik. Pour moi, le meilleur couplet de l'album, c'est le couplet de Sadik. Et on arrive sur Titoff, qui revient très vite après Saint-Patrick. Dans cet album Midi-Minuit, il parle un peu plus français. Peut-être que c'est une volonté de s'ouvrir. En plus, comme il fait beaucoup de vues, il doit sûrement avoir des gens de l'Hexagone qui l'écoutent. Il n'y a pas que les vidéoclips dans la vie, il y a aussi la presse écrite. Rendez-vous sur France Guyane Musique, où vous pourrez découvrir les petits détails croustillants sur Jayan I King qui nous explique son parcours et sa récente signature avec Sonia TV Music. Mais bon, faut savoir lire. Hein. Pour notre premier focus dans Setup, on s'est intéressé à l'artiste Killer qui nous vient du Larivo, nouveau visage du dancehall local. Avec en featuring son balada G.U., leur premier fait d'armes, c'est Start It et ça vaut 200 000 vues. Platinum, Platinum. Depuis l'arrivée, Molito, post-Platinum, Molito à Platinum, pop-pop. Ils reviennent en 2018 avec toujours Codé à la réalisation et le morceau Poum Poum Zone, autrement dit la zone de la... Batman a run, on laisse à l'amour à Big Up, DJ Moulan. Oh, them feel, c'est them bad beginning. You don't know Travis, y a les Big Dan. The Big Dan, oh, them feel, c'est them Batman a run. Vous l'avez bien compris, Killer et G.U. posent tout le temps ensemble et ils font tous les deux partie du label Platinum Productions, qui est un studio près de Cayenne qui est suivi par l'association Lionor. L'artiste est très bien entouré avec Lil G, Jamasta, Jamaker, Patos à la prod. Et mon petit doigt me dit qu'on va les entendre pendant les vacances, avec le morceau Gouli Pond Minek. Big les gars qui cassent top pour moi les yo book. Yo poum poum coupé on est pour moi et puis son book. Il contrôle le mochivé marré qui a fait 4 couettes. On commence en tout lit, fini en bas de couette. On clôture ce premier numéro de Setup avec un morceau de DJ Brian Fake sur le B-Vibes Redeem. Et n'oubliez pas, toute bête ready, toute bête Setup. À la semaine prochaine. Poum poum on fire, poum poum on fire. Sorti la keto real love man, Polito San Jacques, Tomata, why you are.